Cette conférence se situe dans le cadre de ce rappel de l'assassinat du bâtonnier Montferrier d'Orval et que nous continuons précisément à mener le combat pour obtenir justice en la matière. Car nous savons précisément que Maître d'Orval était un grand apôtre, j'allais dire, de ce combat pour la mise en place de l'état de droit. Et au cœur de ces réflexions se trouvait évidemment la question du contrôle et la question de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Nous avons vu que cette Cour-là, il y a des dispositions qu'ils ont prévues, mais qui ne sont pas des institutions qui ne sont pas mises en place. Les tribunaux administratifs, le ministère public, comme on l'a rappelé, etc. Donc on a des fois une constitution qui est inachevée. Et on critique beaucoup la constitution, mais on ne voit pas souvent que les dispositions législatives qui doivent être mises en place pour compléter l'architecture constitutionnelle, elles ne le sont pas. Et par conséquent, des fois, ce n'est pas la constitution en tant que telle seulement. Même s'il peut, on peut retrouver ici ou là, et d'ailleurs je poserai certaines questions éventuellement à Maître Lotio sur des choix qui ont été faits par le constituant, mais je veux dire que effectivement il y a matière à se poser des questions sur le législateur, les textes qui doivent être adoptés pour compléter l'architecture constitutionnelle et pour que les institutions puissent jouer véritablement leur rôle. Alors, parallèlement à cette démarche, on est un 28 aujourd'hui, nous sommes près de 4 ans depuis l'assassinat, depuis ce coup de tonnerre qui s'est abattu sur le barreau de Port-au-Prince et sur la communauté académique d'une manière générale. Et donc nous continuons à mener ce combat. Il y a un nouveau juge, d'instruction, qui travaille sur le dossier et nous espérons que cette fois, on pourra avoir des éléments suffisants pour aller vers la tenue d'un procès, véritablement d'un procès équitable, où on pourra avoir des lumières suffisantes sur ce qui s'est passé, en tout cas une vérité judiciaire sur cet horrible assassinat dont a été victime notre bâtonnier. Ce dossier que NAP suit depuis longtemps, et ce dossier qui est difficile, puisque ouais, chaque fois il y a un juge qui se dossier après ça, soit il a subi menace, soit il a quitté l'île, il a quitté le pays, soit tout une des décisions côté dessaisi de dossier, hein, ce que nous-mêmes, en bas, nous contester, parce que chaque fois où dessaisi, en quelque sorte, on allait dans déni de justice, sous responsabilité pour magistrat instructeur, pour les mener missionner jusqu'au bout. Donc c'est dans la situation ça nous y est, je vous dis. Grand nouveau juge, et nous espérons que fois ça, pas gagner un jugement côté Livine dessaisi, et que la vienne avec des éléments suffisants pour nous aller vers la tenue de procès. Donc c'est dans ce stade-là que nous y sommes, je vous dis. Hein. On a un contact très serré avec le juge. Au contraire, hier encore, on était en contact avec elle pour lui dire qu'il fasse, pour nous demander qui étape qui traverse le dossier. Liban nous garantit que le dossier a avancé et l'a privé à bon port pour le rendre aux ordonnances. Et c'est garanti Salban et on a un contact avec elle pour nous voir ça l'a fait et nous avons supposé rencontrer nécessairement même semaine prochaine. Nous avons censé qu'on rendez-vous avec elle hier pour des questions de contre-temps, etc. Nous allons arriver à elle. Mais Liban nous garantit, comme quatrième juge qui est censé sous dossier, puisqu'il y a trois juges qui dessaisissent déjà, lui-même l'a privé à bon port pour moi. Nous commençons le début. T'as une ordonnance qui rentre, le sable, si après un recours, nous ne connaissons pas, mais au moins pour et bâtonnier d'Orval, le chemin pour jouer une justice. Parce que nous connaissons que la justice fonctionne en façon. Et très souvent, la justice se reproche de lenteur, ou même extrême lenteur. Donc, mais il y a plusieurs phases. Parce que la première phase, là, c'est une phase enquête, une phase instruction, qui a abouti à ordonnance de Mounio inculpéo, de renvoi ou d'inculpation. Non, de non-lieu. Mais tout, l'importance que, première phase, qui a toujours un recours en appel, qui a toujours un recours en cassation. Parce que les gens qui sont censés prendre inculpé, ils n'ont pas prêté pour le dire, ils prennent le juge dans un premier temps. L'IGNA a décidé de faire appel de ordonnance. Donc, mais l'important, c'est que nous avons boumé pour la première phase, ça, nous venons que ça a 4 ans pratiquement, nous avons bâtonné rappelé là. Assassinat fait le 28 août 2020. Pratiquement, ça, 28 août 2024, ça fait 4 ans. Jusqu'à présent, ça n'a pas de ordonnance. Au moins, l'étape a une lueur d'espoir pour que le dossier a bougé pour avant 28 août 2024. Bon, ça on souhaite, on rêve. Pour au moins, une ordonnance qui a sorti. Le SAND a dit, le dossier a commencé à bouger. Mais Liban garantit que de côté, il a fait tout effort possible et imaginable pour une ordonnance.